Les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez passé un joyeux Noël, en tout cas pour ceux qui le fêtent. Pour ma part, eh bien, je ne fête pas Noël. Hein. C'est un délire depuis que je suis gamine que je ne cautionne pas trop. Hein. Déjà, pour la simple et bonne raison, c'est que le mensonge, en fait, autour de ça ne m'a jamais déjà convenu. Parce que déjà, en fait, enfant, j'étais déjà un peu complotiste, hein, étant donné que je réfléchissais par moi-même. Et que, oui, je sais, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Mais voilà, je réfléchissais déjà par moi-même étant gamine. Et déjà, il y avait plein de choses qui me paraissaient improbables, quoi. Et donc, je posais énormément de questions à mes parents, et mes parents étaient toujours en train de me mentir, et moi, à chaque fois, bah, ça arrangeait pas le truc, parce que là-dedans, ça tournait comme une ouf, quoi. Donc, quand, enfin, j'ai capté, à force de chercher et tout ça, que j'ai capté, en fait, c'était tout simplement mon père qui était le Père Noël, et bien, je me suis juré, en fin de compte, de jamais fonctionner comme ça avec mon fils. Et donc, mon fils, je ne lui ai jamais menti sur le Père Noël et tous ces délires là, c'est comme la petite souris là pour les dents, etc. Bref, clairement, voilà, je suis jamais partie sur ce genre de relation avec mon enfant, dans le mensonge, etc. Donc depuis très très jeune, eh bien il sait que c'est n'importe quoi et généralement, en fin de compte, pour faire plaisir à la famille, eh bien il jouait le jeu un petit peu du truc, quoi. Maintenant qu'il commence à être un peu plus grand, bah voilà, jouer le truc, ça le gave. Donc du coup, c'est un peu plus cool maintenant, même au niveau familial, maintenant qu'il est un peu plus grand, voilà, ils sont moins dans le délire, Père Noël, blablabli, blablabla. Donc ça, c'est plutôt cool. Cette année, j'ai pu y réchapper, donc ça, ça fait plaisir. Mais bon, voilà, je sais qu'il y en a eh ben, pour qui Noël a une grande importance, c'est votre délire, j'ai envie de vous dire, chacun les siens. Hein. Voilà, c'est pas parce que c'est pas le mien que je respecte pas celui des autres. Du coup, cette semaine, eh bien, j'ai enfin pu me remettre à mon activité favorite, le bois. Et donc, du coup, j'ai mis mon pote à contribution et il m'a aidé. Alors oui, je sais, il y en a beaucoup dans les commentaires quand même qui m'ont dit « Ah bah c'est cool, Vénus, t'as un pote, tu vas pouvoir... bah voilà, il va pouvoir fendre ton bois, etc. » Alors oui, c'est vrai, mais c'est pas parce que c'est un homme, en fait, qu'il est en capacité déjà de fendre du bois. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 3/4, en fin de compte, de mes amis... Ils ont tous minimum, hein, franchement, sur le minimum 10 ans à 20 ans, voire même plus que mon âge. Donc clairement, s'il y a quelqu'un qui doit fendre du bois, c'est clairement pas eux, mais plutôt moi, quoi. À leur âge, franchement, fendre du bois, c'est clairement pas leur délire, ils en ont pas envie. Donc déjà, il a été bien sympa de m'aider, et d'ailleurs, c'est là que je vois la différence, que moi j'apprécie de faire ça, quoi. Parce que bon, il m'a donné un petit coup de main... Et franchement, on a fini de débiter tous les rondins, etc. Et moi, je lui dis, ouais, t'as vu, c'est génial de fendre le bois, ça fait du bien, blablabli, blablabla. Et là, il me regarde et il me dit, non, mais non, Vénus, non. Il me dit, moi, je kiffe pas. Il me dit, moi, je t'ai aidé pour paraître sympa avec toi et parce que t'es ma pote et tout. Donc voilà, mais il me dit, heureusement, il n'y avait que ça à faire. Hein. Il me dit, moi, sinon, je t'aurais laissé en plan parce que c'est pas du tout mon délire. Bref, bichette, il a pâti un petit peu. Mais voilà, il est quand même resté jusqu'au bout pour m'aider. Donc bravo à lui. Il n'y a plus rien derrière moi. J'espère qu'à la caméra ça rendra bien parce que là, avec le contre-jour, moi je vois rien derrière moi. Donc j'espère que vous verrez quelque chose. Mais voilà, le stock de bois a disparu. Et donc ici, eh bien, c'est tous les morceaux un petit peu pourris qu'il y avait.
Parce que comme c'était une vieille charpente que j'avais récupérée, hein, elle avait déjà commencé à prendre l'eau, quoi. Hein. Et donc, il y a des morceaux comme ça qui sont vraiment tout pourris. Hein. Alors bon, je les ai stockés là. J'emmènerai la remorque pour dégager tout ça du milieu là. Hein. Et puis je l'amènerai vers la zone pour faire des feux. Hein. Comme ça, quand mon fils là bientôt, il va faire une soirée à la maison. Et donc du coup, comme ça permet aux gamins de se faire des petits feux de joie et tout. Ça, c'est plutôt cool, ils kiffent bien. Hein. Et donc comme ça finira de me débarrasser un petit peu tout ça. Maintenant, eh bien, il va me rester en fin de compte à m'attaquer à Stala. Hein. Stala, ça va me servir à faire du petit bois. Et ça, voilà, il faut que je m'y attaque très prochainement avant. De toute façon, il faut que ce soit fait avant janvier, puisque janvier et février sont les mois vraiment très très rudes chez moi. On passe 3 semaines H24 dans les négatifs. Hein. Généralement, au plus chaud de la journée, il fait moins 4. Donc, je vais être prête pour avoir fait le petit bois, parce qu'après, tout gèle et c'est vraiment une galère pour faire du petit bois, surtout après quand il pleut, etc. Bref, donc il me reste encore ça à faire. Et donc là, eh ben voilà, j'ai tout ça à fendre. Hein. C'est tout ce que j'ai débité. Mon fils m'aide un petit peu pour fendre le bois. Hein. Je l'ai mis un petit peu pour qu'il m'aide. Donc lui fend le bois. Et après, si vous voulez, moi je le reprends parce que, comme je vous ai dit, moi j'aime bien que le bois soit fendu d'une certaine manière. Et que lui, il y fait au merlin, donc pour viser tout ça. C'est pas fait comme je le souhaite, donc du coup je reprends un petit peu tous les morceaux et puis il y en a quand même où le tour, hein, si vous voulez, hein, ça a pris quand même un petit peu l'humidité quoi. Donc on voit qu'il y en a certains, là c'est un petit peu pourri, hein, mais tout le reste en fin de compte est bon. Hein. Du coup, quand mon fils fend le bois, et moi j'enlève toutes les parties qui sont pas bonnes. Les morceaux qui sont un peu trop biscornus, eh bien, je les coupe. Ça me permet de faire du petit bois. Hein. Voilà, ici, pour allumer la cuisinière à bois. Et après, ici, bien évidemment, j'ai ma zone où je viens stocker. Donc, pour l'instant, hein, on n'a fait que ça. Hein. Et donc, je pense que ça me remplira un petit peu tout mon truc là. Et donc, ça, avec ça, j'ai de quoi faire tout l'hiver. Donc, ça c'est cool. Donc bon, là pareil, j'espère finir tout ça d'ici janvier, avant que le grand foin n'arrive, hein, surtout comme c'est pour la cuisinière à bois, il faut que je me dépêche un petit peu. Et puis il va falloir que je commence à anticiper un petit peu, à me faire du stock d'avance pour pas me retrouver, voilà, comme cette année, à avoir traîné un petit peu les pieds et au dernier moment à être un petit peu dans le speed, bien que voilà, ça me gêne pas beaucoup en finalité. Je crois que celui que ça embête le plus, c'est mon fils, comme je le mets un petit peu au boulot avec moi pour que ça aille un petit peu plus vite. Mais aussi, je me suis rendu compte, bon, si vous entendez comme d'habitude, c'est les chiens qui s'y jouent à chaque fois que je tourne une vidéo, hein, vous le savez, c'est régulièrement, vous les entendez derrière. Hein. Et donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à la finalité, je me rends compte que... Eh bien, même si là, bien évidemment, j'ai mon pote qui m'a aidé, mon fils qui m'a aidé, donc je gagne un petit peu de temps, mais en fin de compte, je gagne pas un temps non plus de malade. Honnêtement, j'étais agréablement surprise et du coup, je suis plutôt assez fière de moi parce que je me rends compte que quand je fais tout toute seule, en fin de compte, eh bien, je mets pas si longtemps que ça. Moi, je pensais que je mettais 3 fois plus de temps, mais en fin de compte, honnêtement, vraiment, c'est pas la folie. Donc, du coup, je suis quand même super contente. Ah oui, aussi, je voulais revenir aussi sur un. Le truc de fendage de bois, parce que je me suis rendu compte qu'il y en a qui avaient peut-être pas très bien compris, et je suis quand même assez étonnée parce que il y en a, ils suivent mes vidéos depuis le début, donc ils m'avaient déjà vu fendre du bois, et je sais pas pourquoi en fait dans ma vidéo là où je dis je fends du bois et j'en chie, en fait j'en chiais parce que j'avais des billots en fin de compte où il y avait plein de nœuds dedans, hein, et j'en chiais pas parce que je faisais ça avec avec une hache ou quoi que ce soit, parce que quand je le fais au coin ou quand je le fais avec d'autres trucs, en fait j'en chie autant du moment en fait qu'il y a des nœuds. Hein. Et donc en fait dans cette vidéo, je voulais vous montrer en fait que moi aussi j'ai des morceaux où des fois il y a des nœuds où j'en chie, mais en fait les 3/4 du temps quand il n'y a pas de nœuds, je n'en chie pas, hein. Je les fends en deux-deux quoi. Mais dans cette vidéo, c'est vrai, je voulais partager avec vous les moments en fait où j'en chie, parce qu'il y a des fois, eh ben j'en chie. C'est pas toujours tout facile, ni tout beau, tout rose. Et en fait, je sais pas, les gens ont compris, hein, que j'en chiais de le faire à la hache, quoi.
Mais alors que pas du tout. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Mais bon, pour ceux qui auraient mal compris, eh bien voilà, au moins vous savez que non, j'en chiais uniquement parce qu'il y avait des nœuds à l'intérieur. Sinon, je vais relativement vite. Et donc, bah voilà, je me suis rendu compte que comparé à un bonhomme, c'est vrai que je mets un petit peu plus de temps, mais honnêtement, pas tant que ça, quoi. Donc du coup, je dois bien l'avouer que je suis plutôt assez fière de moi. Voilà les amis, vous l'aurez compris, cette semaine ça a été bois, 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 bois. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, sur mes journées, je n'ai pas fait 7 ou 8 heures ou 10 heures de bois. Hein. Je pense que ça nécessiterait que j'en parle dans une prochaine vidéo, peut-être, pour vous montrer un petit peu sur mes journées, qu'est-ce qui me prend le plus de temps, quelle est l'activité qui me prend le plus de temps. Et je pense que vous allez être un petit peu surpris de voir en fait que c'est cette activité-là qui me prend le plus de temps, ou peut-être pas, nous verrons. Je pense que j'aborderai ce sujet dans une prochaine vidéo. En attendant, les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie aussi toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee et qui m'aident pour me soigner et essayer de me débarrasser de cette maladie qui me pourrit la vie. Merci de m'avoir écouté, et les amis, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!